réussi à asseoir sa domination. Takera était trop fort. Takera est trop fort. Mais les Japonais sont vraiment dans une forme olympique. Ils sont impressionnants. J'ai vu Ti, j'ai vu Riddle, j'ai vu Zachary, j'ai casté les trois hier. Riddle, c'est canadien. Pardon, non, oula, désolé. Je m'embrouille dans les nationalités, dans les pseudos. Mon mauvais. En tout cas, est-ce que c'est bon? La wave est lancée ici. Monsieur Popo contre Gatan, Joker contre Rosalina et Luma, Harmony et Luma pour les francophones. Pas un personnage que t'as l'habitude de voir, hein, Harmony. Hein. Et alors, à l'inverse de Palutena, qu'on voit quand même de manière beaucoup plus conséquente sur le jeu. Mais c'est vrai que ça, c'est un match-up auquel on n'est pas habitué. Du coup, mon cher Var, moi, je suis heureux. Je suis heureux parce que là, on risque de voir des interactions assez intéressantes. Je pense notamment au Don B de Rosa qui est capable d'absorber les projectiles. Question, est-ce que ça absorbe l'Exploding Flame? Ça, je ne saurais pas trop le dire, mais pour moi, je penserais que oui, quand même, parce que c'est un projectile qui peut être absorbable. Donc, dans tous les cas, je pense que Positive Flame ne fait pas exception à la règle. Plus de Luma, cependant, du côté de Monsieur Popo. Donc là, ça va être une harmonie solo par ses propres moyens. Ça peut être un petit peu moins efficace. Un petit spot dodge, le Luma qui vient de réapparaître. Mais ça, je pense que Gatan a bien compris comment ça fonctionne, Harmony et Luma. On se débarrasse déjà du Luma. Puis ensuite, on peut casser la figure à la princesse stellaire. Très bien, le grab, on a shield. On est resté un petit peu trop confiant derrière son shield. On s'est fait choper par la Rosa. Le Luma qui est envoyé en première ligne. Très bien, pari grab. Très bien vu de la part de Monsieur Popo. Ok, encore une fois un grab 102%. On build bien. Là, on n'est pas trop inquiété en termes de kill, mais on est en train de se creuser une avance, de se creuser un petit fossé très très conséquent. Et j'aime bien là ce qu'il a fait au ledge, parce qu'il sait que le Luma va se déplacer un petit peu à chaque fois qu'il fait un coup. Mais quand il n'y a plus de plateforme, le Luma il tombe. Mais le Luma il peut quand même venir te taper dans les airs. Et quand t'as plus d'invincibilité, ça peut être un problème. Ça a forcé Gatan à la réaction. Et ici on arrive à clore la stock avec cet up smash. Effectivement, comme tu l'as dit, bonne avance de trouver. En fait, il prend pas trop de risques. Voilà, il fait des petites approches comme ça, il arrive à ponctionner quelques pourcentages par-ci, par-là. Et au moment où il le faut, là il va commencer à s'avancer. Là il va commencer à essayer de trouver le kill justement. Ah, c'est très typique des personnages marionnettistes. Tel que Rosa justement, avec une entité que tu vas pouvoir diriger, faire jouer un petit peu autour de toi. Tu vas pas prendre trop de risques, tu vas jouer assez défensif. Et encore, je trouve qu'elle reste globalement agressive, mais très dans l'attente, très jouée en second. Et pour l'instant, ça fonctionne excessivement bien contre la Palutena qui vient de renverser la vapeur, qui vient de renverser la tendance. Cependant, on a tenté un spike, mais on a été très très patiente. Encore une fois, du côté de Rosa, quand on est flotti, on a un temps de airtime qui est bien plus conséquent et on peut se permettre de niveler, de mix-up un petit peu le timing à laquelle on va rico. C'est ça, c'est de la temporisation. Exactement. Pas la peine de se presser, de toute façon il est en avance. Ce sera pas à Monsieur Popo de s'approcher, mais bien à Gatan. Ici Gatan qui a bien du mal justement à essayer de trouver cette approche là qui lui serait bénéfique. Voilà, on tente le back air, ça finit dans le shield. Derrière on se mange début de forward air, une dash attack qui arrive à passer alors qu'on a même plus de Luma du côté de Monsieur Popo. C'est bon. 90% de chaque côté, quand même une stock en moins du côté de Gatan. L'écart commence à se faire sérieusement sentir. J'ai pas l'impression qu'elle puisse faire grand chose quand la palu est sur plateforme. Le up smash traverse ou pas? Parce que le up smash de Rosa, on connaît, hein, un très très bon auto shield, ça tue, ça fait très très bien le café. Pas de Luma, pas d'attaque du Luma juste après. On va juste l'envoyer encore une fois en première ligne. Tentative de up smash légèrement anglais pour un éventuel two frame. C'est plutôt bien essayé. Malheureusement, là, le Luma ne sera pas suffisamment proche pour empêcher. Oh, je suis trop fan! Oh, j'adore ça! Assiste et derrière t'arrives à mettre le coup saillant. Il s'y attendait pas là Gatan, mais très bien joué. Ah oui. Très bien joué. Oh, ça, très bonne oui. Diversité d'esprit de la part de Monsieur Popo. Très très bien vu hein, de la part de Monsieur Popo. Effectivement, là, le Luma qui a glissé, qui est venu à la rescousse de sa princesse, tel un chevalier servant. Malheureusement, on va devoir disparaître pour un temps et laisser place à son successeur qui reviendra dans quelques secondes. Et en attendant, c'est là que notre cher Gatan a plutôt intérêt à essayer de casser la figure à Rosalina, dans le sens où c'est là qu'elle est le plus vulnérable, tout simplement. Totalement, je te rejoins là-dessus. Mais pour l'instant, on est toujours vivant, c'est ça le problème, on est toujours bien en vie, on est toujours bien sur le terrain, 62% qui commence à être creusé sur Gatan, ça s'accumule, on ne trouve pas de solution, on passe au travers de l'explosif flame qui était exécuté beaucoup trop loin, on n'arrivera pas à le choper cette TP cependant, mais on a toujours Luma qui est sur, pardon j'ai rien dit, on n'a plus Luma qui est sur le terrain, 80%, on arrive à toucher quand même, il y a eu un pari, mais c'était pas le dernier, c'était pas le bon hit effectivement.
On a eu le hic éjecté, ok, on va revenir bien tranquillement. Le Luma qui est de sortie à nouveau. Malheureusement, l'Exploding Flame, on n'aura pas l'occasion de savoir si l'Auton Bay permet de l'absorber puisqu'on va concéder la stock là-dessus. Après, on est bien. On a une stock d'avance, il y a déjà 80% d'infligé sur la déesse de la lumière. On est très très bien. Alors après, attention parce que ça peut aller vite quand on s'appelle pas Lutena. C'est ça le truc, hein. L'attaque Spalu, elle est réelle et elle fait très mal. Elle est élevée, hein. On n'est pas sur un paradis fiscal là. Clairement pas, clairement pas, c'est pas le milieu ici. Centaines de pourcents, on peut quand même réussir à rattraper là. On est en train de revenir, on fait un jeu qui est beaucoup moins corps à corps. Je pense qu'on a commencé à s'adapter, à respecter un peu plus l'Huma et surtout à éjecter plus rapidement l'Huma parce que là, l'Huma vert il a pas fait long feu. Ouais, mais là, tu vois, on a réussi à cross-up avec le nerf. Du coup, on a pu mettre directement un F-tilt sur la palu qui a tenté un grab et qui, du coup, la whiff. Et là, on va pouvoir wall. Hein. On va pouvoir wall très fort. Le Luma qui est placé, on va envoyer, non, pas de coup. Malheureusement, voilà, on va essayer de éventuellement miner le terrain. On renvoie le Luma à sa place, mais là, qu'est-ce qu'on peut avoir? Non, juste une F-throw. Juste une F-throw, pas plus que ça. Oh là 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 là, ouais, le tout frame, à mon avis, ça peut marcher très fort ça, hein. Ça peut marcher excessivement bien. Et là tu vois depuis tout à l'heure vraiment Monsieur Popo il envoie son Luma en première ligne, il prend la température et on l'a vu là dans cette étape attaque, t'as sorti le Luma, ok c'est cool, mais derrière t'as Harmony qui arrive, qui te chope par le Colta et qui va essayer de t'envoyer de l'autre côté vers la blast zone et pour l'instant on s'en sortira, non sans dommage. Oh le backer qui est pas passé loin, un poil de cheveux. Oh là là, oh. Et bah c'est bon. Ah oui, c'est bon, ça suffira. Attends, ça éjecte bien le dernier hit du Luma. Ouais, le jazz est pas mal de vachement bien, je suis surpris. Le jazz sur le frontal comme ça est un kill. Et bah ça, il faut le savoir. Ça partait du côté de ce match-up. Mais là, voilà, j'aime bien quand même ce qu'il fait, Monsieur Popo, là, quand il se sert de son Luma pour essayer de faire un combo avec lui-même. Quoi, en fait. C'est ça. Luma, donne-moi la cible pour que je puisse lui placer un bon backer pour l'envoyer dans la blast zone. Bah, c'est on pas était passé à ça. Ça. On était à ça de décolorer la déesse de la lumière. Franchement, c'est pas passé loin du tout. Ok, on va pouvoir repartir, piquer ban tranquillement. Je sais pas sur quoi on pourrait partir. Est-ce qu'on va prendre le même stage? Est-ce qu'on va y avoir un petit coup de pick? Vraie question. Vraie question. Mais tu vois, c'est ça que j'adore moi. On voit les personnages qu'on n'a pas l'habitude et on découvre des trucs. Et les joueurs de ces persos un peu délaissés ont vraiment la possibilité de briller quand ils passent sur ce genre de stream là. Et c'est trop bien. C'est trop bien. On reprend pas lui. Même personnage, j'ai pas vu le stage. Ça va être la surprise, mon barbe. La surprise, du coup, surprise qui sera très vite montrée ici. On restera sur un small battlefield. Ici, toujours avec cette plateforme à mi-hauteur, qui va quand même pas mal avantager, j'ai l'impression, Monsieur Popo, depuis le début, hein, puisque on n'était pas très serein quand on était sur la plateforme hein, du côté de Gata. C'était pas trop ça, effectivement, mais Monsieur Popo a l'air de vraiment très bien gérer en fait autour de ce stage au niveau des plateformes. Voilà le backthrow backer qui est très bien trouvé. Bah oui, on a sauté, mais qu'est-ce qu'il y avait sur la trajectoire du saut? On avait un Luma, en plus il y a une grosse tentative de spike. Là, heureusement qu'on a TP un tout petit peu plus tard du côté de Gatan, sinon je pense que la stock était prise malgré les 48 maigres pourcents qui étaient infligés, mon cher Barbetous. On va passer loin, effectivement. Et pour l'instant, voilà, on a un peu une redite de la game précédente. Là, vraiment, comme on l'a dit, on va ponctionner petit à petit les pourcentages. Et là, tu vois ça, ça fait peur. L'harmonie qui commence à crouch, à s'approcher doucement de toi avec le Luma en première ligne. Ça, c'est effrayant. Attention là-dessus, on n'est pas passé très loin de la catastrophe du côté de Gatan. Heureusement, effectivement, on aura réussi à sortir le Luma. Il faut en profiter. Et pour l'instant, les approches restent complexes, effectivement. On essaie à son tour de ponctionner un petit peu à l'image de son adversaire, à infliger quelques maigres pourcents à l'aide du neutral B, mais ça ne remplacera jamais, ça ne fera jamais match égal avec les possibilités que Rosalina est en train de nous gratifier depuis le début de ce set. Allez, encore un petit upper. Est-ce qu'on peut en trouver éventuellement un troisième? Non, on va juste rester patient. On va prendre quelques neutrales qui vont nous remettre légèrement à notre place. Le Luma qui se fera battre par le bouclier invincible de la déesse de la lumière. Le passage qui sera bel et bien trouvé. On ne tuera pas encore malgré le plafond particulièrement bas de Small Battlefield. Il a vraiment annulé le neutral B de Palu en faisant un up smash dedans. Ça me tue de rire. Mais c'est là que tu vois qu'il faut vraiment connaître ce match-up. C'est quelque chose de très commun. Vraiment, on est sur une perle rare ici. 80 persos, hein. Ah bah ouais, hein, et ça fait beaucoup de connaissances à accumuler. 130% là sur la Palutena, mais toujours 3 stocks de chaque côté. 2 minutes sont écoulées au compteur. 2 minutes écoulées, effectivement. Allez, hop, dash. On a eu la get-up attack pour se débarrasser du Luma. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? On a une harmonie. On est en lag, l'harmonie. Qu'est-ce qu'elle arrive? Elle arrive. Dash, up, smash. C'est suffisant. On prend la première stock de Gatan pour cette deuxième game. Et Mister Popo qui se paye la part du lion. Hein. On se met bien.
on se met vraiment très 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 bien. Même quand on a plus l'humain, voilà, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On backdash, toujours parce qu'on sait que la Palutena va vouloir venir avancer, nous mettre un neutre à l'air, nous faire payer sa taxe, Palutena. Mais il n'y a pas de taxe ici, on est exonéré, il faut croire, du côté de Monsieur Popo. On n'ira pas prendre tous ces pourcentages, toutes ces séries de nerfs ici. Non, pour l'instant, on se maintient. 91% toujours ces trois stocks. Et là, attention Gatan, il faut pas que la situation de la game précédente se reproduise. Il faut trouver ce qu'il y a, mais il y a toujours un Luma qui traîne et qui l'empêche de faire quoi que ce soit. Le Luma qui traîne trop trop bien, qui a permis de mettre un hit supplémentaire, empêcher la Palutena de confirmer sur un éventuel backer qui aurait pu tuer en plus à 97%. Rosalina, c'est pas si lourd que ça. Enfin, il me semble pas, arrête-moi si je dis une bêtise. Le neutral B qui, encore une fois, va être shieldé. On n'a pas grand chose de plus à proposer en fait face à la princesse stellaire. Allez, face de Ledge Rap, il faut trouver quelque chose. Le Luma, on s'en est débarrassé. La Rosalina est en train de revenir. Et non, pas de grab. On a roll pour revenir sur le terrain. Et ça, la Palu ne l'avait pas vu venir. C'est dommage parce qu'on s'était plutôt bien placé là du côté de Gatan. Oui. Bon, Ledge Rap sacrifié. Un petit peu dommage ici si on n'arrivera pas à trouver la grave là-dessus non plus. Mais il a vraiment du mal à trouver ses hits. Je crois qu'il a du mal à space face à cette Rosalina qui est en train juste de bouger tranquillement. Cette fois-ci, l'explosive flame cependant réussira à toucher. On a quand même un peu mâché le travail du côté de Monsieur Popo. On réduit l'écart quand même, hein. On réduit pas mal l'écart. Ok, on place le Luma encore une fois. Donc là, on couvre. Voilà, la bonne solution c'est de sauter. Alors après, attention à la prochaine fois de faire. Oui, je vais faire le même setup, mais cette fois-ci, je vais couvrir le saut parce qu'il a sauté. Il était en mode ah bah c'est la bonne solution, j'ai rien pris. Ça s'appelle du conditioning, mes amis. Et quand on joue un personnage Mariotis, je pense que le conditioning a toute sa place. Et il le met à l'épreuve, hein. Il le met à l'épreuve depuis tout à l'heure, hein. Quand on voit qu'il envoie, voilà le Luma ici, là qu'est-ce que tu fais? Ouais, tu savais que j'allais faire un jab, donc qu'est-ce qu'on a fait? On l'a rappelé, on a attendu pour essayer de forcer une réaction au Ledge, j'essaie de forcer une réaction qui nous serait bénéfique. On arrive à trouver 7 up smash qui clôt la stock. On est à 52%, on est dans une belle avance, pardon! C'était quoi ce grab? Elle a moonwalk, elle a réussi à le grab, d'accord, ok Michael Jackson, pourquoi pas? 52% et on est en train de revenir, de rattraper justement ce retard pourcentage tout en gardant sa stock d'avance. C'est compliqué. C'est pour compliqué, c'est compliqué, effectivement. Ok, le neutre AB qui est shieldé, on avance. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ces petits mouvements-là? Je connais pas du tout, c'est assez impressionnant, c'est très. Regarde ça! Ok, on se débarrasse du Luma, c'est le moment de faire ses preuves du côté de Gatan. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose? Un kill peut-être, 86% en Ledge Trap. Allez, qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci? Oui, pas down mal. Tilt. Oh, bah, le backer dans l'autre sens, malheureusement, on arrive à revenir parce que ça revient de loin. La distance parcourue par le B de Rosa est particulièrement conséquente, chers amis. Le Luma qui est de retour, le vert cette fois-ci. On se refait mettre offstage. On attend. Voilà, elle est en train de se fixer sur le Luma, donc nous on peut revenir. Vraiment, non, barre-toi. Toi je t'aime pas, t'es sur le terrain, tu fais peur. Fuis. Tu fais peur, j'ai pas envie de te croiser. Allez, petit backer là ici, non ça passera pas, on a le Luma en plus ça qui était juste là. Il avait pas remarqué au début. Il avait pas remarqué au début, il a fait oups. On va peut-être s'écarter. Allez, on peut prendre la stock, on attaque heureusement, on s'en sort. J'ai eu peur sur celle-ci. Pas, hein. Oui, ça parce que le cheat en plus le délai est pas le même, c'est un peu ambigu. Ça pouvait porter à confusion, mais on arrive quand même à placer cet explosif flame. Ça fait 2 kills à l'explosif FM ici. 60%, c'est pas tant que ça. Ça peut se rattraper. La qualité, encore une fois, elle est réelle. Il y a moins d'écart. Il y a moins d'écart que la game précédente. Ah, on est en train de reprendre un peu de voilà on est en train de se prendre un petit revers de la médaille du côté de Mr Popo. Est-ce qu'on peut voilà essayer de reprendre le stage control? Là on est bien du côté de Mr Popo puisque on a le Luma, on est en plein centre du terrain, on peut wall l'adversaire, on n'est pas pressé, on est en avance, c'est pas à nous de y aller. Et la Palu, elle peine à trouver son ouverture, pourtant un personnage si bon. Qu'est-ce qu'on galère là depuis tout à l'heure. Les pourcentages grimpent, mais depuis tout à l'heure, ça reste quand même Mr Popo qui est en avance, qui a failli le placer ici, voilà, en voulant bait cette paire qu'on s'est pris en juggle tout à l'heure ici. On a failli se manger ce backer et on n'arrive pas à approcher cette harmonie qui arrête pas vraiment de garder sa zone de confort. La Palutena ne peut pas entrer dans cette zone. Oh là là, la tentative de spike assassine qui a été placée là en valaine sur la plateforme. Pas de TP cancel malheureusement. Je sais pas si c'était volontaire, mais en tout cas il n'y en aura pas. Le Luma bleu qui est de retour. Allez, on le place. Regarde bien. Est-ce qu'on va sauter? Non, là il est obligé d'attendre. Ben oui. Il passe en dessous. Il est passé en dessous. Il a été impatient. Ça tue pas. On va tutoyer la blazone sans jamais la traverser. Oh mais là, ah bah oui, il avait pas le choix. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il avait pas le choix. Qu'est-ce il avait pas le choix. Ça va pas tuer tout de suite parce que c'était pas le Luma, mais effectivement il avait pas le choix. Regarde-moi ce Ledge Trap ici. Maîtrisé. On essaie de mettre des réactions. Il a eu le dernier hit. Tu fais quoi contre ça? Mais qu'est-ce? Échec. Tu pries. Tu fais match. Il fallait trouver une solution. Get up attack peut-être. Parce que comme il est en train de spammer A du côté de Rosa, il pouvait pas non plus dash up smash peut-être. Peut-être à la limite, et encore parce que tout à l'heure il est passé en dessous. Tout à l'heure il est passé sous le Luma et il s'est mangé le jab, ça a été le premier kill stream de.